Bonjour, vous aurez une importante évaluation dans les prochains jours. En effet, vous saviez déjà que mercredi et jeudi, j'allais en formation au centre sur l'autisme SACAD pendant 2 jours. Information comme ça en même temps. Donc, le défi de la santé est annulé. La base de plein air de Val-Bélair est inondée. Donc, on va oublier ça pour l'instant. Par contre, donc mercredi, jeudi, je suis absent, formation, autisme, saccade, toutes mes excuses, mais je constate que c'est une bonne raison. Demain, j'ai appris tout à l'heure que je dois être le remplaçant de M. Couturier demain. C'est moi qui vais s'occuper d'être directeur d'école demain. Et non, ce n'est pas une blague. Donc demain, c'est un examen pour moi en même temps. Quand même, je serai assis dans une chaise où je devrais régler sûrement ben, moins de problèmes que d'habitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu entres en période d'évaluation. Mais j'aime pas ce mot-là, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment pas le fun. Sauf que demain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mardi, mercredi et jeudi, vous aurez à fonctionner de façon autonome, de façon efficace, avec un ou une ou des remplaçants. À mon avis, ça devrait être 3 personnes différentes en 3 jours. Scénario qui est peu enviable. Je suis tout à fait d'accord, c'est pas le fun. Je peux te l'accorder. Ceux qui ont besoin de vacances de moi, ben c'est parfait, profitez-en. Sauf que ce que je vais te demander, c'est de transformer ce moment-là que tu as peut-être trouvé un petit peu plus plate en opportunité pour voir est-ce que j'ai ce qu'il faut pour passer à travers des moments plus qui ressemblent peut-être moins à ce que je vis habituellement en classe, dans notre petit micro-univers, puis ce qui tend plus à. Le beat de vie que tu vas retrouver au secondaire. Donc, ce que je veux que tu m'écrives ce soir dans le blog, c'est 1. C'est quoi ton opinion du fait que je dois m'absenter 2 jours pour être mieux formé en ce qui concerne l'autisme et que je remplace le directeur demain? Qu'est-ce que tu en penses de ça? 2. Je voudrais savoir à quoi tu t'attends comme comportement dans la classe? Si c'est écrit de façon polie, tu peux même nommer des noms ou le faire de façon constructive, là. Tu sais, on vise pas à dire que telle personne va devenir poche, là. C'est juste, on peut nommer des comportements qui apparaissent quand je suis pas là, qui peuvent être plus désagréables. Donc, 1, qu'est-ce que tu en penses que je m'absente 3 jours pour ce que je considère être de bonnes raisons? Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? 2, c'est quoi tes prédictions sur ce qui va arriver avec le groupe durant les 3 prochains jours? 3, à quoi je dois m'attendre par rapport à toi? Ça va être quoi ton comportement? Ça va être quoi ta façon de travailler? Quelle méthode de travail tu vas adopter pour rester efficace et en plein développement, en pleine progression dans tes apprentissages, dans le développement de tes habiletés, même si je ne suis pas aux commandes pendant 3 jours et que c'est vous qui allez être aux commandes? 4, ça voudrait dire que je suis rendu à 4 petits paragraphes, là. 4, j'aimerais que tu me dises. En y réfléchissant vraiment, vraiment, vraiment bien, s'il y avait une chose sur laquelle tu étais vraiment fier de toi cette année, ce serait quoi? Puis comment tu peux te servir de cet élément de fierté-là pour te donner un plus d'énergie durant les prochains jours? Donc, je t'ai demandé 4 choses, je m'attends au moins à 4 petits paragraphes. Prends le temps d'écrire ça comme il faut, prends le temps de te relire, prends le temps de te corriger, s'il te plaît. Car demain, je te ferai venir au bureau du directeur. Il n'y a rien que je déteste le plus que de m'absenter de ma classe, de ne pas être avec mes élèves. Même quand c'est pour des conférences, pour des trucs importants, des événements dans lesquels j'essaye de parler, d'enseigner différemment, puis tout ça. Je déteste ça, m'absenter, je me sens toujours horriblement coupable. Pourtant, mon objectif, c'est tellement que vous soyez excellent, que vous soyez efficace, autonome, que vous soyez vous-même, en fait. Parce que vous êtes tellement, tellement, tellement une belle source de fierté pour moi. Vous êtes d'une efficacité redoutable. C'est un cadeau d'être votre prof. Soyez à la hauteur durant les prochains jours parce que vous êtes fait pour ça, à être à la hauteur. Je vous fais confiance. Maintenant, vous faites-vous confiance. Prenez le temps d'écrire mes 4 petits paragraphes, je te le répète. Réécoute la consigne que j'ai donnée là, en petite étape, plus qu'une fois s'il faut, là. Ça se réécoute une capsule sur YouTube.
Alors, demain matin, dans mon bureau temporaire, je prendrai le temps de lire chacun des commentaires et ferai très certainement un retour en cours de journée. Bye bye. Ah, je vais peut-être arriver avec un café. Faut le stresser. Vous savez de quoi je parle.